Bonjour à tous. Alors, c'est la dernière dictée de la semaine. Celle d'aujourd'hui ressemble beaucoup à celle d'hier, comme d'habitude. La différence est qu'elle est au pluriel. Donc, rappelez-vous, comment peut-on mettre des mots au pluriel, notamment des noms? Qu'est-ce que l'on met à la fin? Des déterminants? Mais aussi pour le verbe, cela va changer. Concentrez-vous bien sur ces points-là en relisant bien votre dictée à la fin. C'est parti. Mes sœurs. Mes, ça veut dire les miennes de sœurs. Mes sœurs allumeront les lumières des deux chambres. Mes sœurs. Mes sœurs allumeront. Mes sœurs allumeront. Mes sœurs allumeront les lumières. Mes sœurs allumeront les lumières des deux chambres. Mes sœurs allumeront les lumières des deux chambres. Des deux chambres. Alors, relisez-vous bien, pensez bien à ce que je vous ai dit pour les marques du pluriel. Ensuite, soulignez le verbe, écrivez son infinitif, soulignez le sujet et remplacez-le par un pronom personnel. Bon week-end à tous, peut-être pas tout de suite, il faut finir le travail, ce que je pense que vous venez juste de commencer. Mais après ce travail-là, je vous souhaiterai donc un bon week-end. À bientôt, à la semaine prochaine.